Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le Ligeant, jour 1. On est venu avec Olivier de Paris avec sa 458 spéciale qui a un échappement Klein qui fait un bruit de malade. Très bonheur, on est là aujourd'hui, c'est un événement de passionné. On va faire très attention, moi dès que j'ai fini de filmer je remets mon masque. Mais voilà, tout à l'heure on ira peut-être un petit peu sur piste, il va y avoir de la voltige. Il y a un parking de folie, là on est sur le parking Ferrari. Parce que voilà, Olivier est l'heureux propriétaire de cette spéciale. D'ailleurs c'est la seule blanche, hein. Toutes les autres sont rouges, grises, noires, bleues. Mais blanche, il y en a deux, 458, une seule spéciale. Et là-bas t'as le parking des Porsche et du reste des voitures. Je vais vous montrer je pense les modèles les plus exceptionnels du parking. Je vais pas faire tout le tour comme les autres années, sinon la vidéo va durer 45 minutes. Je vais vous montrer ce qu'il y a de plus exceptionnel. Là on a une Scoud rouge sans bande, voilà une SVJ qui arrive. C'est bon, t'as récupéré? Ah, la belle casquette. Bon, c'est l'heure du circuit, on va mettre le casque, moi je monte avec Olivier dans la spéciale, c'est le plateau des Ferrari modernes. Voilà, ça démarre. Hop. Bon Olivier, t'es prêt? Non. Je suis pas prêt. Bon, il faut savoir qu'on vient de déjeuner, c'était peut-être pas la meilleure idée au monde, et tu vas me faire chanter cette ligne Klein. Ouais, tu l'as ouverte ou pas? Ouais, elle est ouverte, il y a un petit bouton là, quand c'est bleu c'est ouvert. Est-ce que c'est pas la perfection ça? Scoot bleu, bande dorée, jambe dorée. Absolument parfaite. Ici on a le stand Lambo, Lamborghini, avec une Evo, une Gallardo, Urus, une Super Leggera de première génération, c'est pas fréquent ça. Et vous allez voir, je vais vous montrer celle qu'il y a derrière là-bas, la Essenza SCV12. On a une Aventador S, dans une couleur nacrée, très jolie. Il y a une SVJ aussi qui est au test drive, donc qui est sortie là actuellement, mais elle va revenir. Oh, le plateau qu'il y a, 16M, Pista Spider. Pista Spider qui est la petite fille de la 16M. Il y a 499 exemplaires ça. Ça, je sais pas.
mais c'est très 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 beau, très belle couleur. Jaune 3 couches, 812. On va l'entendre démarrer le V12. LP640 Murcielago DB6, qui a encore les stickers du Toronto. Miura SV, absolument sublime, incroyable. La ligne de cette caisse est sublime. Et là, 812 GTS qui nous vient de chez Charles Pozzi. Joli pneu tout neuf. Regarde l'intérieur, gris, je trouve que c'est pas la couleur idéale pour un cab, ça pourrait être une couleur plus claire. Mais la sellerie marron avec les surpiqûres diamantées, incroyable. C'est-à-dire que la 812 c'est ouf, ça en cab, ça va être incroyable. Et ça, c'est la Lamborghini Essenza SC V12, qui est un peu le bouquet final de la Aventador. Une voiture circuit seulement, pas homologuée pour la route, qui est basé sur l'Aventador, mais avec une aéro complètement différente. Regarde, même les rétros, c'est incroyable. Les vitres en Lexan. Et l'arrière, ils ont fait quelque chose qui est un peu long tail. C'est incroyable. Avec l'aileron déporté à l'arrière comme ça, qui est juste monumental. Cette caisse est folle. Oh là là, ça, j'aimerais bien l'avoir roulé. Le bruit que ça fait doit être absolument dingue. Huracan Performante. Qu'est-ce que c'est bien cette voiture. Beaucoup beaucoup de carbone forgé et Aventador, Roadster, le V12. Et là on a une magnifique 360 Challenge Stradale, 180 000 €. Spécial, 812 GTS, FF, très très belle couleur, la FF. Portofino. Je pense que pour l'instant, de tout le plateau, ma préférée, c'est celle-ci. Scoot bleu, alors je sais pas le nom du bleu, si c'est Blue Pozzi ou bleu Abu Dhabi. Bande dorée, jante dorée. Elle est juste absolument parfaite. Regardez la largeur de l'arrière d'une 512 Testarossa. Le cul qu'elle a, pardonnez-moi l'expression, mais la largeur incroyable. Et surtout, l'arrière est beaucoup plus large que l'avant. Donc quand tu la conduis, il faut faire hyper attention par où tu passes. Scuderia spécial Aperta. Waouh, extrêmement rare, très peu d'exemplaires, c'est la version cabriolet de la spéciale, très très rare, spéciale Aperta, spéciale F12 N Largo, c'est celle qu'on avait vue l'année dernière, je vais vous la remontrer. On a quelques pistas piloti, c'est les pistas qui sont réservées aux pilotes qui sont en endurance Ferrari. Et voilà, la F12 N Largo, alors c'est du tuning de Ferrari, mais par Novitec, elle est très très agressive, très impressionnante. La largeur. On a Michelin qui est présent encore une fois cette année pour proposer de changer évidemment les pneus via leur prestataire des voitures qui en auraient besoin, mais aussi de faire la pression des pneus de tout le monde. Et regardez, on est entouré partout, on regarde, de Ferrari. Qu'est-ce que c'est beau en gris comme ça. Argento Nürburgring, je trouve que c'est une de mes couleurs préférées sur Ferrari parce que ça fait extrêmement bien sortir les courbes d'une voiture. Contrairement à un rouge non métallisé ou alors un noir. Regardez la couleur sur cette 599 GTB. Pack HGTE, on la reconnaît aux jantes comme ça qui ont les rivets. Et aux sorties qui sont un petit peu noires. Elle a le diffuseur tout en carbone aussi, c'est assez rare. Tout le diffuseur. Et c'est un rouge métal. Extrêmement joli. Petit passage quand même au niveau des Porsche parce que. Ouh, Cobra, Scud, Mustang Bullitt, Cayman GT4, enfin 718 GT4. C'est vraiment devenu une voiture qui est très agressive, très très belle. Juste derrière, on a la GT3 RS de Thierry Spinergy. Magnifique Targa. Une GT3. C'est très très beau, une GT3 991. On a une Ruff aussi ici, c'est assez rare. Très très rare. Préparateur Porsche. Avec la trappe à essence sur le capot. Très sympa ça aussi. Scoot bleu très foncé, sans bande. Où il réalise ce type de démonstration. Ah, j'adore. Pour vous trouver, eh bien, Scoot, j'adore. 458 Liberty Walk. C'est un body kit qui élargit la carrosserie. Regardez la largeur des roues par rapport à la voiture, incroyable. Bon, on est dans une voiture d'essai de Michelin, équipé de Sport Cup 2 Track Connect. Track Connect, je ne sais pas si vous vous souvenez de vidéos à Las Vegas, c'est ceux qui ont la petite puce qui est reliée en Bluetooth à une appli sur le téléphone qui permet de te conseiller la pression de gonflage optimale
pour faire ton meilleur temps autour. Et donc là, on va faire quelques tours sur le circuit du Vigan, le circuit du Val-de-Vienne, avec un essayeur Michelin. Bonjour. Ton métier, c'est vraiment de mettre le pneu en contrainte et de le... Mon métier, oui, c'est d'évaluer les performances des pneus relativement aux attentes des constructeurs pour lesquels je travaille, parce que je suis dédié à certains constructeurs. Travaille en partenariat avec les constructeurs pour développer chaque... leur... Voilà, et puis chaque essayeur Michelin est même spécialisé par constructeur. D'accord. Et toi, c'est Ferrari ? Moi, c'est Ferrari, Porsche Motorsport, Bugatti. Ferrari, Porsche, Bugatti ? Ça va, sympa comme métier. Ça va. C'est ouf le Vigan. Des supercars et des avions de chasse. Oh là 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 là. Franchement impressionnant, elle glisse magnifique. Waouh. Merci bien. Bon, bravo. On se voit là-dedans. Magnifique, ah, j'espère. À la prochaine. Incroyable. Le mec maîtrise à 200%. F12 TDF, F40, Pista. Oh, la vieille 911 Carrera RS, magnifique. Les amis, c'est devant cette magnifique Monza SP2. Que l'on finit la vidéo d'aujourd'hui. Il y en aura une autre sur la journée de dimanche. Une voiture qui a été amenée par Charles Pozzi, donc le concessionnaire Ferrari à Paris-Levallois. Incroyable comme caisse. Je crois que c'est plus d'un million d'euros hein, une Monza. Il y en a très très peu. Très sympa. Celle-ci en noir avec la bande rouge qui est rappelée sur les sièges d'ailleurs qu'on voit noir avec le cuir rouge. C'est le V12 de la 812 Superfast, mais en version Barchetta. L'immense capot, c'est incroyable. J'ai hâte de tester ça. J'ai mon pote là, Don't Talk Just Drive, qui reçoit la sienne. C'est une SP1 avec une seule place. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de la journée du samedi au circuit du Vigan. Sans s'en faire contre le cancer, toujours un super événement. Énormément de passionnés, énormément de caisses. Enfin, le plateau est incroyable. Et puis surtout, l'argent qui est récolté par les inscriptions, les baptêmes, tout ça, c'est reversé à la recherche contre le cancer. Donc si en plus c'est pour une bonne cause, c'est juste topissime. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez préféré comme caisse ? Est-ce que vous aussi c'est la Scoud bleu bande dorée ou c'est une autre ? Je vous remercie encore de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !